dans le noir. Bonsoir, bonsoir. Ça commence bien, je crois que j'ai pas de micro aussi, ça marche. Oui, je disais dans le noir, faites gaffe aux chauves-souris, hein. Méfiez-vous. Bien, ça fait longtemps qu'une Black Session n'avait suscité autant d'intérêt, on peut le constater, on vient me rejoindre sur scène. J'espère que tout le monde a réussi à se caser, y compris sur les strapontins de ce studio 105 de la Maison de la Radio. Et je me demandais si cet engouement était dû à l'étonnante personnalité de mon tout jeune invité ce soir et à toutes ces éloges qu'on entend à son sujet, ou si c'était lié à notre désir, si ce n'est notre besoin d'aller de plus en plus vers des choses qui sortent de l'ordinaire. Je pense que ça tient un peu des deux. Et quoi qu'il arrive, soyez les bienvenus pour cette session avec un jeune américain francophile. Il parle français, j'espère qu'il vous en fera profiter. Très attaché à notre culture, mais aussi très sensible au flonflon de la musique tzigane, à cette musique des Balkans qui rend ses chansons si pittoresques. Alors voilà, je crois savoir que sur scène, cette douceur et cette mélancolie dont il fait preuve sur ses albums dégage vite avec une belle énergie, et je compte sur vous pour participer avec la fougue qu'on vous connaît à ce concert de Beyrouth. Merci à tous, passez une bonne soirée. Beyrouth.